Salut à tous, mon nom est Ulrich Kusembe, membre de l'US Army Reserve en tant que 68 Delta. Bienvenue dans ma chaîne où je partage mon expérience dans le military et aussi où je produis certaines vidéos éducationnelles, des vidéos de motivation et des vidéos sur les différentes opportunités que vous pouvez avoir quand vous vivez aux États-Unis ou bien partout dans le monde. En fonction, bien sûr, de tout un chacun et ce que chacun souhaiterait faire, quoi. Donc, je suis juste là pour essayer de motiver cette jeunesse-là à pouvoir faire ce qu'ils veulent faire, à pouvoir utiliser les différents atouts ou bien les différents éléments disponibles pour pouvoir atteindre leurs objectifs de manière efficiente et efficace. Donc, pour dire par là que ce que quelqu'un peut accomplir en 5 ans, vous pouvez l'accomplir en 2 ans. Quand vous avez une bonne méthodologie, quand vous savez où vous partez et que vous avez l'information nécessaire. Alors aujourd'hui, avant de commencer bien sur la vidéo, bien où nous allons parler de quelque chose de vraiment important, j'aimerais remercier tout le monde qui partage nos vidéos, à ceux qui nous écrivent Inbox pour savoir comment écrire à l'équipe Inbox, bien vouloir regarder notre contact. Pour le moment, ce n'est pas email. Il n'y a pas encore de numéro de téléphone. Pour le moment, ce n'est pas email. Vous envoyez votre message par email et on va vous répondre généralement dans les 24 heures ou dans les 48 heures. Et merci à tous ceux qui m'écrivent pour savoir le processus. Bien comme les différents processus se trouvent dans les vidéos, quoi. Parfois, vous me posez certaines questions qui se trouvent dans une vidéo et la plupart du temps, ce sont des informations que je ne peux pas remplir ou bien je ne peux pas vous envoyer dans un de ces emails. C'est pour cela que généralement, quand quelqu'un m'écrit, je lui envoie d'abord le lien de la vidéo pour qu'il aille regarder la vidéo. Et après avoir regardé la vidéo, il y a des questions adjacentes, donc des questions qui peuvent s'ajouter au fait que vous ayez regardé la vidéo, quoi. Donc, deuxièmement, je vous annonce que le livre sur les 5 méthodes d'avoir la green card, c'est-à-dire la résidence permanente aux USA, est disponible dans la description de la vidéo. Vous allez cliquer sur le lien de la boutique en ligne de Live Like a Soldier, où vous allez voir les différents éléments où vous pouvez pourchasse ou bien où vous pouvez acheter tout ce qui concerne la marque Live Like a Soldier. Et dans ce link-là, bien sûr, vous verrez à gauche de la page ou bien à gauche de la boutique, à gauche, je dis bien à gauche, pas à droite, à gauche, vous verrez le livre sur les 5 méthodes d'avoir la green card. Et troisièmement aussi, je souhaite aussi dire encore merci, merci, merci parce que la page a été sélectionnée pour participer à un concours de jeunes influenceurs d'une entreprise que je communiquerai le nom plus tard, mais cette entreprise a sélectionné la page Live Like a Soldier pour participer à ce concours où on ne prend que 10. Il y a certaines pages qui ont été sélectionnées. Nous avons reçu un email de sélection sur les jeunes influenceurs de 2021 et la page Live Like a Soldier a été sélectionnée. Si la page a été sélectionnée, c'est grâce à vous, c'est grâce à toi. Donc, merci encore toujours de bien partager les vidéos et de voir ce qui arrive. Et aujourd'hui, on va pas faire une vidéo sur pour entrer dans l'US Army ou bien comment parler l'anglais. Mais bien comme ça, ça parle aussi de comment parler l'anglais et tout. Mais aujourd'hui, c'est juste une vidéo où je m'adresse aux tueurs de talent. Je m'adresse aux tueurs de talent, ceux-là qui sont parfois dans certaines positions et qui refusent d'aider leurs frères. Même pas aider leurs frères. Quand on dit aider, généralement, pour nous les Africains, c'est une aide financière. Or, les finances aujourd'hui, c'est quelque chose de, tu peux dire, de caduque. Parce que, pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'information. Parce que grâce à l'information, on peut avoir de l'argent. On peut avoir de l'argent sans information. C'est-à-dire, vous pouvez avoir 10 000, 100 000 dollars, mais vous n'avez pas l'information. Parce qu'avec ces 100 000 dollars, vous pouvez produire 1 million de dollars. Donc pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'information. Informez-vous. Et généralement, ceux qui détiennent cette information préfèrent mentir aux autres pour qu'ils n'aient pas l'information.
C'est pour ça que j'appelle les tueurs de talent. Voilà un exemple de quelqu'un qui désirait peut-être joindre, on va dire, l'armée, quoi. À 90%, quand vous arrivez aux États-Unis, quelqu'un va vous dire ne joins pas l'US Army parce que c'est mauvais, c'est pas bien, c'est. Vous savez, même le grand, je dis bien le grand président Barack Obama, que c'est une personnalité que je respecte énormément par rapport à tout ce qu'il a pu faire pour pendant son mandat et tout, et même par rapport à sa personne, par rapport au livre qu'il a écrit, que j'ai lu, où il fait comprendre que quand il se lance dans la politique, il a commencé à fréquenter des politiciens. C'est-à-dire, pour être politicien, il faut fréquenter des politiciens. Pour être économiste, il faut fréquenter des économistes. Pas un seul, pas deux. Beaucoup d'économistes. Pour être médecin, il faut fréquenter des médecins ou bien ceux-là qui vont à l'école de médecine. Pour être infirmier, il faut fréquenter ceux qui sont infirmiers ou bien, bref. Alors, quelqu'un qui n'est pas de l'armée, en fait, vous dira quoi du militaire? Vous dira quoi? Pratiquement rien du tout. Mais ces personnes-là qui vont se placer, vous disent, j'ai un ami qui était militaire aujourd'hui, il est homeless. Est-ce que tu as vécu sa carrière? Est-ce qu'il t'a dit exactement ce qu'il faisait quand il était dans le military? Est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a dit mot pour mot tout ce qu'il a fait à l'intérieur? C'est pareil. Un infirmier qui va aller dire à quelqu'un de ne pas aller dans l'école de médecine. Qu'est-ce qu'il connaît de l'école de médecine? Un politicien qui va... Il y a une pléthore d'exemples. Bon, ceux-là qui viennent vous mentir en vous disant que non. Par exemple, vous voulez venir en Europe ou bien vous voulez aller aux États-Unis, on va vous dire que non, la vie est dure, il faut rester en Afrique. Non. Si votre rêve, c'est de venir en Amérique, battez-vous pour venir en Amérique avec les moyens légaux. Si votre rêve, c'est d'aller en Europe, battez-vous pour aller en Europe avec les moyens. Ne prenez pas la route ou bien n'allez pas à la mer et tout. Utilisez tous les moyens légaux à votre disposition pour atteindre vos objectifs. Ne faites pas les choses illégales. Parce que les choses illégales, ça va vous rattraper. En fait, c'est ça. Il ne faut pas faire des choses qui sont illégales. Non. Ça vous portera préjudice plus tard. Ça vous portera préjudice plus tard dans tous les domaines que vous allez faire. Tout ce qui concerne le secteur administratif et tout. Tout ce que vous faites même dans la vie. N'essayez pas. Ne faites pas les choses qui sont illégales. Donc moi, je m'adresse à ceux-là qui ment à nos frères. Il dit à son frère, je vais venir en Europe ou bien je veux faire ceci ou bien je veux faire cela. Parfois même, on ne demande pas de l'argent. On demande juste l'information. Que vous détenez une information, vous dites en fait, voilà, voilà et voilà. Si tu veux faire ceci, voici ce qui est bien et voici ce qui est mauvais. À toi de voir, à toi de faire le choix. Tout simplement. Arrêtons de mentir nos frères. Arrêtons de nous mentir, surtout nous de l'Afrique francophone. On se montre, on ne veut pas voir les autres, on veut pas voir les autres fléchir en fait. On ne veut pas voir les autres avoir du succès. Même la définition du succès, là même encore, elle est très compliquée. Parce que le succès, c'est à plusieurs niveaux. C'est à plusieurs niveaux, bien sûr. Donc, il faut être clair avec des gens. Si vous ne pouvez pas aider quelqu'un, que ce soit de manière informationnelle d'abord, parce que c'est l'information qui gouverne le monde. Ouais. Bien sûr, l'information gouverne le monde. Ça gouverne le monde, que vous le vouliez ou pas. C'est plus le pétrole. Le pétrole, c'est fini. Vous voyez les grandes entreprises aujourd'hui, juste le fait de stocker des informations, fasse en sorte que... voyez, dernièrement, l'ancien président du pays, là. On a bloqué son compte Twitter. Donc des gens sur des ordinateurs ont juste bloqué un compte Twitter. Parce qu'ils détiennent l'information. Alors vous détenez l'information qui peut aider vos frères à atteindre des objectifs, mais vous ne leur donnez pas cette information. Faut pas être méchant. Ne soyez pas méchant. Ça ne te coûte rien de dire à ton frère, en fait, la procédure pour atteindre ton objectif, la voici. Si tu la connais, ne mens pas.
Ne viens pas essayer de mentir ou bien de détruire le mental de quelqu'un. Non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ouais, c'est pour ça en fait que j'ai eu l'idée de créer cette chaîne YouTube en fait. Parce que quand j'ai rejoint l'US Army, j'ai fait un processus plus long comparé aux autres. Parce que quand je suis arrivé aux États-Unis, je ne connaissais pas un seul mot d'anglais. I didn't know how to speak English. Maybe right now. No, I'm not going to say I don't know how to speak English. But I know the basic of English. That's the thing. So where do I learn that those basics? School, learning, books, YouTube videos. But before that, j'ai utilisé le système à mon avantage. C'est ça. Utilisez le système de l'endroit où vous vous trouvez à votre avantage pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc quand je suis arrivé aux États-Unis, bien sûr, je ne sais pas parler anglais. Pas du tout. Je marchais avec Google Translate partout. C'était exagérément difficile pour moi. Après, j'ai décidé de rejoindre l'armée, en fait. Même pour rejoindre l'armée, il faut que vous fassiez un choix. Quand j'ai rejoint l'armée, je suis allé au cours d'anglais. L'armée a payé mon école d'anglais, où je suis allé apprendre l'anglais, bien sûr. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré une pléthore de personnes. De différentes régions, de différentes, on va dire en Afrique, tribus, de différents pays, quoi. Ils ne savaient pas parler un seul mot d'anglais, mais ils sont aux États-Unis depuis près de 5 ans. C'est incroyable. Ils sont à l'école avec nous, mais ils ont à peu près de 5 ans aux États-Unis. Ils ne savent pas parler anglais. Alors je demande, mais comment est-ce que vous avez connu ce programme où... Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Qu'il n'y a que l'armée qui offre ce programme-là pour que vous puissiez aller apprendre l'anglais. Et ensuite, maintenant, vous envoie au Basic Training. Basic Training, vous avez une formation et tout. Vous travaillez pour le gouvernement américain, tranquille. Il n'y a que l'US Army qui fait ça. Il n'y a que ça. Parce que ce soit Air Force, Navy ou Coast Guard, on ne fait pas ça. Quand je parle de armée, c'est armée active, US Army active, US Army Reserve et US Army National Guard. Il n'y a que l'armée qui fait ça. Comment l'information? Alors j'ai demandé, mais comment est-ce que vous avez connu comment on appelle ça, ce programme? Ils ont dit, c'est leurs frères qui sont venus avant et qui ont parlé de ça. Leurs frères qui sont venus avant et qui partagent ces informations en leur langue et qui les ont fait part de ce projet, en fait. Qu'ils ont fait part de ce programme. Que beaucoup de la communauté francophone ne connaissent pas. Ou bien ceux qui sont y passés disent seulement que va, si c'est... Vous voyez, les informations sont vagues. Mais eux, dans leur communauté, ils vous disent exactement ce que vous devez faire en fait. Et c'est ça qui est passionnant. Donc, on pourrait parler d'intelligence. Donc, on pourrait parler de destructeur de talent pendant des heures. Pendant des heures, c'est... Parce que c'est un phénomène récurrent. Quand vous avez besoin d'une information, aujourd'hui, Internet est devenu l'outil par lequel vous pouvez avoir une information si facilement. Mais généralement, les informations sur Internet sont un peu vagues parce qu'il y a il y a différentes approches. Il y a différentes approches. Il y a différents moyens selon lesquels X ou Y présente une information. Mais continuez à vous informer, continuez à lire. Et il y a aussi un grand outil aujourd'hui qui est YouTube. Moi, quand j'étais à l'école, ou bien quand je suis à l'école, moi, YouTube is B, comme certaines personnes disent souvent, YouTube is B, parce que généralement, quand j'ai besoin d'une information, je tape juste sur YouTube. Il y a toujours quelqu'un qui a fait une vidéo dessus. Et ne prenez pas la vidéo peut-être aux paroles d'évangile. Non. La vidéo vous donne une forme d'approximation sur l'information que vous cherchez. Ça veut dire que quand vous allez taper sur Google ou bien sur YouTube, ça ne veut pas dire que c'est exactement comme ça que ça se passe. Mais vous avez déjà une idée sur où est-ce que vous allez et ce que vous devez faire. Donc, alors merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, merci de nous donner un pouce. Et si vous n'avez pas, et aussi, je tiens encore à mentionner que le livre, le e-book, les 5 moyens
comment les cinq moyens d'obtenir la green card, la carte verte, résidence permanente aux USA et dans le lien de la description de la vidéo. Merci et ciao, ciao.